Soirée à notre antenne, chers amis, on vous présentera les gardiens dans quelques instants et on pourra vous parler également des officiels. Au départ, c'est le trio de Smolinski, Guillaume Latendresse et Tom Kostopoulos pour le Canadien. Alors, vous savez probablement déjà qu'il y a des changements. Et voilà, dès le départ, Sidney Crosby qui s'amène rapidement. Mais Markov a fait un beau jeu pour le rejoindre. Inutile de dire que Markov a tout un défi ce soir. Lui et Komisarek sont utilisés à outrance contre Sidney Crosby et ses ailiers. À égalité numérique l'an dernier, aucun but pour Sidney Crosby alors que Markov est sur la patinoire. Le disque est repoussé un peu plus loin le long de la rampe. Scuderi qui remet derrière le filet, Darryl Sedor. Là, c'est repris par Crosby. Belle feinte, sauf que ça passe et bloqué par Markov. Et là, Carey Price fait tout un arrêt. Et un deuxième au départ de Mark Recchi. Bon, excellente stratégie de Michel Therrien. Te pose le meilleur joueur de la Ligue nationale, un jeune gardien de but recru. Et le premier test s'effectue dans les premières minutes de la rencontre. Il y a 53 secondes éculées, tout un jeu de la part de Crosby devant Komisarek. Et Recchi, lui, avait réussi à se blottir derrière Markov. Il va effectuer un premier tir, vous voyez. Et ensuite, on va s'amener, c'est Malone qui veut s'emparer du retour, mais on va arrêter le jeu.